Sortilège aztèque. Est-ce que tu veux une banane, Rio? Et comment t'as fait pour me reconnaître? Si je te le disais, tu serais vexé. Bonjour, ici votre amie Lindsay qui est avec Jem et les hologrammes, alors qu'elles se préparent pour leur prochain clip vidéo. Jem, on me dit que le tournage aura lieu dans un endroit très particulier. Est-ce que je peux savoir où c'est? Désolée, mais ça, je ne peux pas encore vous le dire. Mais pourquoi tout le monde veut garder l'endroit secret? Parce que ce sera l'ouverture du Festival International du Clip Vidéo Rock. Le seul trophée qu'elle n'a pas encore gagné. Et comme il ne faut pas que deux films soient tournés au même endroit, eh bien elle ne veut pas prendre de risques. Alors, vous croyez pouvoir gagner? Avec Jem et les hologrammes et un lieu de tournage tout à fait fabuleux, qu'est-ce qui pourrait perdre? Mais souriez, souriez les filles! Oh, mais je souris, mon grand, ça ne se voit pas! Ah oui, je souris depuis que j'ai entendu parler de ces idiotes avec leur tournage dans un lieu secret! Il faudra trouver leur cassette avant qu'il soit trop tard! Oh, et je peux vous dire que je sais ce que j'en ferai! Oh, mais mon matériel! C'est pas possible de travailler avec les Misfits! Pizza, je vous apporte une fabuleuse nouvelle. Regardez ce que m'a offert mon père. Elle est deux fois plus grande que la caméra de ma cousine. Et tu vois pas que tu nous fais perdre du temps? On est occupés, nous. Vous êtes trop occupés pour essayer de gagner le concours de Vidéo Rock? Tu veux tourner un clip vidéo? Avec nous en vedette? Pas question, la dernière fois que tu nous as filmé, ça a fini en catastrophe. Mais cette fois, je connais l'endroit secret que tout le monde cherche. On va se déguiser en femme de ménage et on va donner un grand coup de balai. Attention les enfants, voici, on va au lieu de tournage, c'est près d'un temple aztèque en ruine. Mais c'est au plus profond de la jungle mexicaine. Oh, c'est pas possible, voyons, c'est beaucoup trop dangereux. Mais moi, j'ai toujours eu envie de connaître le Mexique. On ne va pas rater une occasion aussi formidable. Il faut absolument aller tourner là-bas. Vidéo a trouvé le meilleur guide du pays et puis en plus, je suis là pour les aider. Non, bah alors là, on est complètement rassurés, Rio. Bon, tes ancêtres viennent du Mexique, tu as tout lieu d'être fier de ce qu'ils ont accompli. Entièrement d'accord, au revoir. Restez groupés, le guide doit nous retrouver ici. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la ville de Mexico. Je m'appelle Luis Heraldo. Bonjour, monsieur Heraldo. J'ai l'impression que notre ami va se plaire ici. Je vais commencer par vous montrer un célèbre temple aztèque au cœur de Mexico. Ce temple est un exemple de la richesse qu'a connue mon pays. La légende dit que les vieux sages ont demandé au chef de la tribu de construire leur maison et leur ferme là où ils trouveraient un aigle perché sur un cactus, tenant un serpent dans ses ailes. Ils ont trouvé cet aigle et ils ont bâti la grande ville de Tenochtitlan. Je ne comprends pas. Où est cette ville de Tenochtitlan? Elle est ici. La ville de Mexico a été construite sur ses ruines. Il devrait y avoir un village après la colline. On peut s'y arrêter pour déjeuner. Oh, mais c'est incroyable! Qu'est-ce qui s'est passé, Luis? Regarde! Oh non, c'est vraiment monstrueux. Personne ne nous en a parlé. C'est sûrement à cause du tremblement de terre d'il y a quelques semaines. Je prends ma caméra et quelques plans du village inciteront les gens à envoyer de la nourriture et des vêtements. Voyons un peu. Mais où est cette caméra? Ah, la voilà. Oh non, mais dis donc, mais reviens ici tout de suite. Non, mais reviens, petit voleur. Oh. Elle va me rattraper. Regardez, il a la caméra vidéo. Arrête, arrête tout de suite. On gagne du terrain.
Tu ne croyais tout de même pas t'en tirer comme ça. Lâchez-moi, laissez-moi partir. Si tu nous montrais un peu cette merveille. C'est une caméra que j'ai trouvée. Disons plutôt que tu l'as empruntée. Je crois que tu peux le reposer maintenant, Louis. Tu pourrais nous dire comment tu t'appelles? Mes amis m'appellent Paco, mais vous n'êtes pas des amis. On peut devenir des amis, mais tu as intérêt à trouver une explication qui tienne debout. Ta famille habite par ici, Paco? Ah non, non, moi je vis tout seul. Je parie que vous venez de la Californie, vous. Eh oui. Oh, vous pouvez m'emmener avec vous en Californie? On dit qu'on peut faire fortune là-bas. Il y a des grandes maisons, des belles vitrines. On ne devient pas obligatoirement riche en allant à Hollywood. C'est vrai, madame? Et on ne peut pas t'emmener avec nous. Ah, mais je veux y aller. Je veux y aller. Je ne veux pas rester dans ce village. Non, c'est vraiment impossible. Paco! Laissez-le. De toute façon, on ne peut rien faire pour lui. Les villageois vont s'en occuper. Il faut être arrivé avant la tombée de la nuit. On a déjà suffisamment de retard comme ça. Mais si le tremblement de terre a fait écrouler le pont, le tournage sera terminé bien avant de commencer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'emmenez en Californie, d'accord? Ah, bravo! Maintenant, il faut qu'on retourne au village. Non, vous avez un horaire à respecter. On le redéposera en repassant. Super! Bon, on a de la chance. Le pont n'a pas l'air d'avoir souffert. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à traverser. Un autre tremblement de terre. D'ici, sinon on est perdu. Accrochez-vous. Pourvu qu'on s'en sorte, c'est pas possible. Bravo, t'es un as du volant. Oui, mais maintenant on ne peut plus aller au temple. C'était le seul pont de la région. Regardez, un hélicoptère. C'est la plus grande nouvelle de l'année. C'est Clash et les Misfits. Oh, regardez, Jem et les hologrammes. Elles ont l'air bien tristes. Oh, vraiment, comme c'est dommage. C'est fini. Elles ont dû trouver l'endroit où je voulais tourner le clip. Oh, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, cette fois on est bien coincés. Eh, pas de panique, moi je connais un autre moyen. Je suis certain que c'était le seul pont, j'ai vérifié sur la carte. Les cartes peuvent se tromper, mais Paco sait ce qu'il dit, lui. Il a peut-être raison, il est du pays, et puis qu'est-ce qu'on a à perdre? Vous avez vu la tête que faisait Vidéo? Au secours, au secours. C'était drôle, elle s'est pas regardée. Ouais, calmez-vous les filles. On retourne les voir et on se pèle leur tête à ces idiotes. Oh, arrêtez, mademoiselle, attention. Et voilà, alors j'avais pas raison. Je peux vous dire que ça c'est du solide, c'est mon grand-père qui l'a fait. Paco, tu veux te tenir tranquille, s'il te plaît. Incroyable, on est vivant. J'en reviens pas, mais pourtant on est vivant. Eric, où est-ce que tu as trouvé ce tas de ferraille? Je tournerai ce clip et j'arriverai la première à cet endroit secret. Dépêchons-nous, prenez le matériel. Tu veux vraiment qu'on marche? Oh, mais moi je porte des talons aiguilles. On n'est quand même pas payé pour ça. On nous paie pour chanter, pas pour porter les valises. Allez, dépêchons, on a assez perdu de temps comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas de sable mouvant dans le secteur, ça pourrait nous aider. Et voilà, c'est magnifique. Les Aztèques étaient incroyablement évolués. Oh, leur ville est encore plus fabuleuse que je ne l'aurais imaginée. On a l'impression d'être dans un autre monde. J'ai un ami qui réalise des films documentaires pour le gouvernement mexicain. C'est lui qui s'est arrangé pour que nous puissions tourner notre clip dans ce décor. Moi, je me demande où sont les Misfits. C'est vrai, elles devraient être arrivées ici avant nous. C'est bizarre, mais j'ai l'impression d'être chez moi ici. Tu as du sang aztèque. Les Aztèques se réunissaient ici pour danser et rendre hommage à leur dieu. Oh, c'est vraiment fabuleux. Vous aimez le Mexique?
On adore. Arrêtez ce vacarme! Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui vous prend de faire un bruit pareil? Ça n'était pas du bruit, monsieur, c'était de la musique. Ah, ça je regrette. C'est vous qui le dites. Qui êtes-vous? Je suis Vidéo Carla et on m'appelle Vidéo. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis le docteur Balthazar. Et il y a quelqu'un de malade? Non, ce n'est pas un médecin, Paco. C'est un archéologue mondialement connu. Ça alors, c'est une chance que nous soyons tombés sur vous. Nous allons tourner un clip vidéo par ici. Je ne permettrai pas qu'on filme les ruines de cette ville. Mais pourquoi ça? Parce que ça ne ferait qu'amener des armées de touristes. Mais on vient de la Californie. Et nous avons l'autorisation du gouvernement pour tourner ici. Nous ne partirons pas avant d'avoir terminé notre film. Et le tournage commencera dès demain matin. Je peux vous jurer que vous regretterez d'avoir fait le voyage. Hein? Vidéo n'est pas arrivée. J'avais raison! Ouais, et je l'espère pour toi. Et dépêche-toi de nous filmer ou je sens que je vais m'énerver. On a pris du retard. Je ne vois pas pourquoi Vidéo tenait tellement à tourner son clip dans cette région. Il faut reconnaître que c'est tout de même original. Ça, c'est pas si évident. On aurait peut-être pu tourner ça dans un studio, non? Si Jem et les hologrammes pouvaient tourner ici, on peut le faire nous aussi. Allez, moteur et c'est parti! C'était extra, les filles. On enchaîne sur un autre plan. Jem, ça veut dire qu'on peut partir d'ici? Non, pas encore. Nous avons d'autres plans à tourner. Mais je veux aller en Californie. Emmenez-moi à Hollywood. Non, c'est pas possible. Essaye de comprendre. C'est ton pays ici. Tu vis ici. Moi, j'irai à Hollywood. Vous verrez. J'y arriverai. Paco, viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. Tu pourras aller en Californie un jour. Ah. Le docteur Balthazar est de meilleure humeur aujourd'hui. Peut-être, mais il y a quelque chose qui me paraît pas catholique. Et bien entendu, je ne sais pas trop quoi. Alors tu vois, mon petit Paco, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et pour ça, vous m'emmènerez en Californie? Bien sûr, si tu fais exactement ce que je t'ai dit. Venez avec moi, c'est vraiment magnifique, non? Oui, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas emmené les autres? Il y a quelque chose que vous devez absolument voir, d'après le docteur Balthazar. C'est par là. Bien, mais quoi? Paco? Je peux toujours regarder. Oh, c'est un puits. Il doit être profond. Oh, vous êtes là, docteur? C'est un puits sacré. On y sacrifiait des bêtes en hommage aux dieux. Il est excessivement profond. Rien ne vous empêche de vérifier. Ah!
Jem? Jem, réponds, t'es par là? Ça ne lui ressemble pas de partir comme ça sans prévenir. C'est bizarre, où est-elle? J'ai le pressentiment que Balthazar est derrière ce coup-là. Il faut le trouver. Je suis d'accord. On va vite savoir ce qui se passe. Ça y est, je l'ai amenée où vous me l'avez demandé. Vous l'avez pas vue? Si, elle a décidé d'examiner le puits du sacrifice d'un peu plus près. Maintenant, laisse-moi tranquille. Vous avez promis de m'amener en Californie. Venez, on part tout de suite. Pour la dernière fois, disparaît ou je sens que je vais me fâcher. Hein? Vous m'avez menti. Où est Jem? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Tu as peut-être envie d'aller t'en rendre compte par toi-même. Louis, au secours! Au secours! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dormez ou quoi? Attrapez-moi ce fourrien! S'il raconte ça aux autres, tout est fichu! Louis, au secours! Jem! Je ne comprends pas. Où a-t-elle bien pu passer? Ça, c'est pas le travail d'un archéologue, je regrette. C'est plutôt celui d'un voleur. Où est le docteur Balthazar? J'ai l'impression que quand on l'aura trouvé, Jem ne sera pas loin. Regardez, Balthazar, il s'enfuit! Vite, la Jeep! Jem, vous êtes par là? Jem! Paco, je suis là! Paco! Attendez, je vais vous sortir de là! N'ayez pas peur! Oh, je t'en supplie, Paco, dépêche-toi! Allez, attrapez! Ça y est, presque! Allez! Oh, tu ne peux pas savoir ce que je suis heureuse de te revoir. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes un archéologue célèbre dans le monde entier et vous voulez tous ces trésors? Ne dites rien à personne, on partagera, il y en a pour une fortune. On n'en veut pas de votre argent. Nous, on veut savoir où est Jem, dites-le nous. Jem? Ah oui, je vais vous conduire auprès d'elle. Ça n'est plus très loin. Il avait promis de m'emmener en Californie. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Oui, je comprends, Paco. Et alors? Elle n'est pas là. Jem, tu es là-dedans? Tenez, la voilà. Jem? Oh, mais ce n'est pas Jem, c'est un homme. Mais qui êtes-vous? Je suis le docteur Balthazar. Balthazar? Mais alors? Et moi, je suis Ramon Claves. Et vous êtes enfermé ici à tout jamais. Ces trésors, Ramon, ils appartiennent au peuple mexicain. Oh non, pas du tout. Maintenant, ils sont à moi. Un jour, peut-être, un archéologue découvrira vos squelettes en se demandant qui vous pouviez bien être. Non, non, laissez-les sortir. Qu'est-ce que tu fais là quand tu aurais mieux fait de disparaître? Synergie, c'est le moment ou jamais de trouver une solution géniale. C'est les fantômes d'un guerrier aztèque. Relâche immédiatement ces innocents ou tu seras maudit à tout jamais. C'est à moi que tu donnes des ordres. Oh, pitié, ne me faites pas de mal. Je vais les libérer. Je vous rendrai vos trésors. Oh, j'en ai assez. Je donnerai une fortune pour sortir de cette jungle. Oh, écoutez, des voitures.
Ah, j'en suis certaine, j'entends des moteurs. Oui, oui, les voilà. Oh, arrêtez, hey, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oh. Avancez. Alors, à quoi vous jouez? Vous avancez, oui ou non? Vous dormez ou quoi? On les aurait aidés s'ils avaient dit s'il vous plaît. Elles ne savent pas ce que ça veut dire. Tout le monde est fier de ce que tu as fait, Paco. Merci beaucoup. Oh, ben, c'est rien. Et si tu fais plaisir, nous t'emmenons avec nous en Californie, Paco. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, non, merci. Vous voyez, je préfère rester ici. Mais pourquoi est-ce que tu as changé d'avis? Le gouvernement va faire construire des maisons qui ne pourront pas s'écrouler. Et puis, je vais aller à l'école et j'apprendrai des tas de choses pour aider mes amis. Et je suis fier de mon pays. Je resterai ici et je l'aiderai à se développer. Et qu'allez-vous faire de l'argent du premier prix? Nous allons l'offrir à un ami qui vit dans un pays tout près. Oui, il est à l'école aujourd'hui au Mexique et il a bien besoin de cet argent pour aller jusqu'au bout de ses études. La légende dit que les anciens ont demandé au chef de la tribu de bâtir leur maison et leur ferme là où ils verraient un aigle tenant un serpent entre ses serres. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la ville sur laquelle est construite la capitale du Mexique, Méréco.